Là, cette fois-ci, pas comme dans toutes les intro vlogs, on n'est pas dans un aéroport. On va voir un personnage touriste. Parce qu'on est trop pauvre pour partir en avion. Donc on y va en train. Parce qu'on va respecter la planète. Mais là, il est dans un van là. Oui, parce que le métro il était fermé. Menteur. C'est faux. Non, en vrai, lui il voulait partir en métro. On voulait tous prendre le métro et Julien n'arrêtait pas de dire non, on doit avoir du confort. On a tous nos sacs. En tant qu'influenceur, Julien a dit. Ça, c'est un discours de Naps. Moi, franchement, j'ai rien dit pour une fois. Naps, il a dit un van, c'est la vie que je mérite. On va prendre le train pour aller direction. Si je le dis ou... Non, le dis pas. Mais si Jill, c'est dans le titre. J'avoue, c'est pas faux, ça. Direction la belle ville de Saint-Étienne. En vrai, il est mignon quand il dort. Il a son charme. On est arrivé à Saint-Étienne. Oh non. Bon l'équipe, ça y est, après 14 heures de train, 2 heures d'avion, 6 heures de voiture, on est arrivé à Saint-Étienne. On a trop hâte, on nous a bien vendu cette ville. C'est sympa Saint-Étienne, les escalators. Normalement elle est belle la ville. Il n'y a pas ça dans toutes les villes. Ah. Déjà c'est un bon point. Ensuite... Architecture. C'est petit. C'est petit. Est-ce que tu peux me dire où on va dormir là ce soir? Dans la zone de la chute. Au centre de formation. Au centre de formation des Verts. Les Verts. En vrai, moi, première fois que je vais dans un centre de formation. Ah, t'as pas fait le centre, toi? Il y a pas grand monde qui y a dû être. Je sais pas, ça va être sûr. T'as déjà fait un centre de formation, toi? Robert Herbin. Ouais. Toi, t'es content de sortir ta science, toi. Chargé d'histoire. J'étais content de me souvenir de ce truc. Et il m'a confirmé que c'est bien ça. Dans la voiture, il a fait le fier en mode... Oui, ce serait pas Robert Herbin. Juste pour flex. Le gars fait, bah ouais, on s'en branle. Non. David, c'est vrai que tu vas faire du sale demain. Demain, je vais laver tout le monde. Ah ouais. Enregistre. Demain, il va laver ses chaussures, c'est tout. Là on est arrivé au centre d'entraînement des petits jeunes. Des petits genoux. Quand j'avais ce stage là, je connaissais un peu et maintenant c'est terminé, je suis au garage. Je suis au garage pour le foot, c'est terminé. Et donc là on est au centre d'entraînement des jeunes de Saint-Étienne. Tu fais pas oh, pour combien tu suces à tout le monde avant de dormir? Ouais. Pour combien tu suces Kevin De Bruyne? Ah j'adore. Oh elle est trop sympa celle-là. Ouais. Moi j'ai envie de le mettre en Anderlecht. Moi j'ai envie de le mettre à Genk. Mais je veux le mettre en Anderlecht mais je suis pas sûr. L'arbitre tu peux ouais arbitrer. Moi j'ai envie de dire Genk. Bon déjà un peut-être deux clubs belges non hein. On est faux. Bah il me faut une réponse définitive pour la valider ou non. Moi j'ai envie de dire Anderlecht. Mais toi, t'as dit Anderlecht. Dites pas Anderlecht. Bah... C'est pas Genk. C'est la Gantoise ou Genk? Il a fait son parcours junior à la Gantoise. Une année de parcours junior à Genk et il a commencé sa carrière pro à Genk. Après Genk? Ouais. Ah vas-y, il a plein de presse, bâtard. Je sais pas s'il se fait acheter par Chelsea, après il se fait prêter par Wolfsburg. Chelsea c'est bon, Wolfsburg c'est pas bon. C'est pas un prêt? C'est le Werder de Brême. Oui. Je confonds les deux parce que c'est vert. C'est des W. Après Werder de Brême. Après Werder? Dis de la merde. Après Werder? Mais fait Werder Wolfsburg. Ouais. Oh, la carrière piège. Mais oui, ça c'est vraiment piège. Et après City. J'adore. Pour combien tu suces Mohamed Salah? On est sur un mec qui est explosé très tard quand même. J'ai. Ouais, parce que j'ai. Donc Bâle, Chelsea, Roma. Non, Fiorentina. Non. Fiorentina, Roma. Et puis bah, après Liverpool. C'est ça. Et là, il est encore Liverpool. C'est ça. C'est vraiment un outfit peut-être. Un outfit avec lequel j'ai beaucoup de mal. Julien, t'as bien dormi chez les Verts? J'ai bien dormi chez les Verts. T'as passé une bonne nuit? Maxi gigantesque. Franchement, le lit, il impossible de tomber. Grand.
tu peux avoir les pires nuits mouvementées de cauchemars de, ouais. de ouf. Que... Les matelas, ils étaient bien moelleux. J'ai jamais... Vous avez vu, ils étaient bizarres les matelas. Moi, j'ai pas trouvé, justement, moelleux. J'ai trouvé assez fin, mais bien. J'avais l'impression que j'allais m'enfoncer. Mais ouais, jamais... ouais, pareil. Ah, moi, il était raide, mais tu l'enfonçais. J'avais pas les mêmes que vous, alors. Moi, j'avais, je pense que j'avais la suite. J'avais la suite, pareil. Moi, j'étais sous le niveau de la mer quand je me suis allongé dans le lit. Un petit mot sur ce déjeuner? On est à Wort. Des choses simples. Vous me connaissez déjà, des choses simples. Ça me pose un problème, là. Le petit mais il voulait des œufs, il est trop déçu. C'est très simple. Ouais. C'est un petit déjeuner quand, épuré. Quand tu as trop de place dans le plateau comme ça, ça veut dire que... Je vais avoir un plateau. Enzo, comme t'as dit, il a ouvert les portes, il a fait une entrecôte, s'il vous plaît. Bien seigneur. Parce que là, je vous explique, il est arrivé ici, il est allé là-bas, et je pensais qu'il allait demander un truc à manger. Mais en fait, il y a vraiment personne. Il se au final, j'ai eu la gamine du chat. Tu vois, Fox River, tu sais c'est quoi? Non. Oui, oui, j'ai. T'as pas l'âge. Oui, je crois que je vois. J'ai une idée vague de ce que ça peut être. Vas-y. Voilà, honte. Dis-moi et je peux te dire si c'est ça. C'est la prison dans Prison Break. Ah oui, mais c'est un ouf. C'est un ouf. Mais bien sûr que oui. Mais parce que moi, ça, je dis Fox River. Je dis pas Fox River. Et moi, Fox River, je voyais ça avec une tête de renard. Oh non. On dirait vraiment un mec du simple. J'ai mal au dos en plus maintenant. C'est un limurien. Là, on est fait un petit déjeuner là. Tu vas manger, je pense. Jusqu'à score D. Non. Tu penses quoi de ce petit déjeuner, Nam? Éclaté. Et t'es en bas. Pas pour jeu aujourd'hui. Le rendez-vous au barbeur le plus rapide. Là, c'est la routine de Philippe et de Chabès. Mais elle n'arrive pas à faire de tondeuse. Eh frère. Et va... Ils vont où les cheveux là? À l'intérieur. J'ai investi. Hein. Non, le truc, c'est un aspirateur. Avec Johnny Wilkinson. Quand la lumière a fait le reflet, c'est qu'on est bon. Incroyable. Pour combien de nano, les gars, ils se coupent la barbe? Bon, alors là, faut aligner les potes. Hein. Je veux, est-ce que si Dab, il marque, il est homme du tournoi, est-ce que tu crois que je la barbe? Mais Nabs, il gagne le ballon d'or, je me rince pas la barbe. Hey, Zoom, dis-moi si j'ai oublié des cheveux. Enfin, j'avoue, je vois pas énorme différence. En tout cas, propre le dégradé. Moi, je le trouve sympa. Wow. Non, non, bah garde la barre, frérot. Bon, les gars, on vient de finir de déjeuner. On va aller au tournoi des 7 collines à Saint-Etienne. Donc, on va vous montrer tout ça. Il n'y a que Nabs qui va jouer. Donc, c'est Nabs, notre représentant, on va dire. Et voilà, on se retrouve là-bas. Comme on l'a montré hier, on a dormi dans le camp, pas d'entraînement, Enzo. Dans le centre de formation. Dans le centre de formation. Parce qu'aujourd'hui, on a le tournoi des 7 collines. C'est organisé par Saint-Etienne. Donc regarde, t'as les 7 collines là sur les drapeaux. 7 quartiers de Saint-Etienne. Chaque quartier a une équipe. Et ils ont invité une 8ème équipe. L'équipe influenceur. On est influenceur. On est influenceur international. Okay. On a été invité. Par contre, c'est surtout Nabs qui est influenceur international. On pouvait pas faire jouer tout le monde parce qu'il y en a pas mal de guests dans l'équipe. Ok. Pourquoi il s'est énervé? Je sais pas. Non, j'ai vu un peu se lever. Non, on était en mode. Ah, c'est vrai qu'il y en a, voilà. Enzo, t'es chelou, tu mets des gens nus. Tu le sens comment là? Je fais un truc bizarre. Là. Est-ce que tu le sens dedans? Je le sens stressé. Tu le sens complexé? Il a pas mis son casque avec sa musique. Aïe. Il a pas son maté et sa petite valise. Il est pas sorti d'un grand bus. Ouais. Tu vois? Ok, donc là il peut pas être bien là. Donc, pas assez. Pas assez à l'aise. Imagine, il sort dernier et il gagne pas un match. Il sort dernier. Et il gagne pas un match. Le pire, c'est qu'il marque pas un but. Parce qu'il va jouer devant. Je pense qu'il marquera pas de but. C'est simple, on revient plus. Bon, on le vire, non? Hein? On le vire. Ou alors on revient, mais c'est pas lui qui joue. What up, c'était beau. Les gars, une note sur le tweet. Pas mal, non? Ça va, bien. Parce que moi, je trouve que la démarche, elle est bien d'avoir un maillot déjà. Ouais. Alors, si t'as vu sur l'outfit pour le match. Je sors pas avec moi. Oh, la paire de merde. Moi j'aime bien la paire black. En vrai ils ont fait un vrai boulot. C'est pas mal. Hein. Ouais, franchement les drapeaux et tout. Enfin tout est brandé en fait. Parce qu'en fait t'as vu les drapeaux sur la mairie, ça représente un drapeau par colline. Ouais. Un drapeau par équipe. Tu sais j'ai fait un post Insta dessus. Non en vrai franchement c'est carré. Même l'install, les tribunes, franchement propre. Hein. Il y a des écrans géants partout. C'est bien clean. Ouais franchement c'est clean. Je crois qu'on va voir un mec avec un masque type Osimhen. Est-ce qu'on tient notre mec qui fait du ballerini de... Ouais, de je crois que c'est vraiment le plus gros menteur de tout le tournoi.
Alors les gars, dites-nous en commentaire si vous pensez qu'il est vraiment blessé. J'ai juré, je l'ai vu tout à l'heure sans son masque. Il n'y avait vraiment aucun signe de douleur. Bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Allez, ça va le faire. Bisous. Mets un but et tu viens célébrer avec moi. On dirait pas qu'il est en dos le nab. Il est ultra concentré. Bon Nabs, bientôt l'entrée là. Ouais, je vais chauffer. Là tu fais le coach avec Nabs. Ouais, moi je suis le coach. Préparateur physique et mental. Non non, juste coach avec la casquette. Allez les mecs, allez hein. Essayez. Tu veux que je te dise pourquoi ils sont morts? Ils commencent contre les vainqueurs de l'ancienne compétition. Ils sont terminés. Ils sont cuits. Ils sont cuits. Bon Nabs, c'est la fin comment là? Eh, 3-0. Pour eux. Oui. Oui. Ça glisse un peu, non? Ça glisse trop fort, ça. T'as fait ce que tu fais. Donc j'ai bien vu là, 7-2? Non. Coupé. Et là, tu leur as dit quoi à la mi-temps là? Parce que. Et voilà, je leur ai dit. L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. De ce tournoi. On va. Non, je vais m'occuper de. Je vais faire de la rotation. En tête. Et il y en a qui vont plus jamais jouer, chez. C'est inacceptable. C'est quoi les petits maillots, les gars, là, dans les mains? Les petits maillots? Bah, c'est les maillots du tournoi. Maillots du tournoi. Ouais, c'est quoi? C'est lequel le plus beau? C'est le bleu, Kodam? Entre nous, ouais. Petit maillot du. Un petit délire de Japon. Allez, un peu plus de 2 minutes. Ouais, parti. J'aime bien. Mais ouais, bah celui-là on l'a pris normal. C'est le maillot du tournoi quoi. Nabs qui le porte, donc bah il a de l'âme quoi. Et t'as celui-là, petit coup de cœur de ma part, vert jaune, beau combo, et je sais pas, le pattern il me plaît. Je suis d'accord avec toi. J'ai j'aime bien beaucoup. Kiffé, j'ai bien kiffé. Ouais. C'est aussi ton préféré toi? Ouais, c'est pas mon préféré. Pour moi je pense que c'est le bleu qui est en mieux. Ah. Mais j'ai bien aimé la dégaine des joueurs avec le maillot. Bah porté, les gars tout à l'heure qui sont forts. Ouais, ils sont pas mal. Ça aide. Deuxième match pour Nabs. C'est une victoire donc. Ça commence là. Un prono au final. Qui prend seul la tête. C'était fort. Les bleus, non. Non, les blancs. Et la réaction. Ouais, moi, c'était super fort. Ils ont perdu 3-1 contre l'équipe avec le maillot jaune que j'ai présenté. Ils ont perdu s'imposer en avec la poule. Match deux équipes qui pour l'instant. 2-2. Pointe à la 3ème et 4ème. Je pense le premier match nul. Ouais, ben voilà. Sachant qu'au premier match, ils ont fait combien? Ils ont gagné 7-2. Guizet, c'est Montmartre qui arrive sur la poule. Belle. Ouais. Là on est deuxième match, il y a 2-0 pour Guizet. Il y a 1-1. Il y a 2-1. Belle, moi non plus j'ai pas vu le premier but. Bon, il y a 2-1. Mais bon, là Nabs il joue pas, est-ce que ça serait peut-être plus le problème? Est-ce que ça risque? Pourquoi on a mis que c'était lui qui jouait? Ça aurait été moi, j'aurais tenu la défense là, comme oui. Un bâtard mon cousin. Il a pas de tac. Moi j'aurais attaqué que j'en ai fou. Je suis reparti avec les jambes ensemble. Oh oh. Regardez Nabil, il est là-bas, il joue pas et son équipe a gagné. Je pense que c'est tout est dit. Non, je me seul. Putain, petit pénalty, ça peut faire 3-1. Ouais, mais ça va pas avec le chrono, ça nous gêne pas. Hey, tu m'emmènes dans le carré J là? Alors là, je t'emmène dans le carré J, mais d'abord dans le coin soin. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des blessures de guerre. En plus, on va pas se mentir, Nabs, un peu fragile. Ouais, Nabs, il était blessé, je pense. Pas trop possible, il y avait une excuse. Il était gaze. Ouais. Non, mais après, je vais chercher, je vais dire qu'il s'allonge là et puis. On va l'opérer. Bon, on va le laisser. Tu les récupères, en vrai. C'est bon, qu'est-ce qu'il fait, toi? Il y a des carousels sur Insta. Fumigène, les gars. Je vais le jeter sur les policiers. Regardez ça. Ils ont été dévoilés il y a 10 minutes, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Ah, j'aime bien le domicile, moi. Et là, on les a en main. Bon, il y a des petits détails qu'on vous montrera que je trouve bien sympa. Genre, ouais, c'est les 7 collines, direct. Le nom des 7 collines, le petit drapeau français. Et sur le maillot extérieur, sur un maillot blanc, ça passe tout le temps. C'est vrai. Mais tu vois, je suis un peu moins fan du extérieur, je préfère vraiment le domicile. Ouais, mais tu vois pas les petits bazars là? Bah écoute, t'as pas le petit bazar là? Non, je vois ton gros doigt là. Mais oui, je vois, il y a le logo de Saint-Etienne imprimé dans le maillot. Donc voilà, je suis heureux d'officialiser ma signature à Saint-Etienne. J'ai hâte
de fouler les pelouses de Geoffroy Guichard. C'est quoi, piston droit? Et de foudroyer la Ligue 1. Voilà. Ouais, mais attends, là il y a Mathieu Cafaro là. Je suis piston droit moi. Ouais, bah Mathieu Cafaro, piston droit. Il avait de mon niveau lui. C'est qui lui? C'est qui lui? En vrai, il y a du très haut niveau. Ça joue bien? Ouais, ça joue vraiment bien. Ah, la peluche. Non, en vrai, j'avoue que sur le terrain, c'était tendu. Ça joue bien? Ouais, c'était tendu. Oh, franchement, ça joue bien. Il y a des vrais adversaires. Et je pue la merde. L'égalisation qui prend l'avantage dans cette... Ouais. Dans une boutique qui fait 800 mètres carrés à peu près. La plus grande boutique d'Europe, il paraît. Ouais. Non, en vrai, incroyable. De France ou d'Europe? Non, de France. Il a dit de France. Mais non, mais d'Europe. Ouais. C'est grand. C'est grand, c'est hein. Vraiment grand. Je suis choqué. Dis-toi que ça, c'était une boutique d'un club qui était en Ligue 2. Pas normal, heureusement qu'ils sont en Ligue 1 là. Pas normal hein. Non ouais, ça fait plaisir qu'ils sont en Ligue 1 là. Je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour le club, tu mets Niort ou Rodez ou des trucs comme ça. Pas la même boutique hein. Non, pas du tout la même boutique. Frère, l'aura du club même. On l'a vu aujourd'hui, ouais, l'événement pour le stand. Il dormait devant le stand pour acheter le maillot. Bah, c'est vrai, il l'avait déjà. Vous faites un contre-toi, vous pensez quoi du niveau maillot qui a été révélé? Et le gars, bah je l'ai sur moi. Il a campé devant la boutique, t'es fou. Non, incroyable. Ah, que dame, elle est grande la boutique. Moi j'ai envie d'aller voir les maillots. Par moi ce qui me plaît, c'est que là-bas il y a le Tour de France qui est retranscrit. Oh putain, attends, ah, tu me fais chier. L'équipe du meilleur buteur, les gars, c'est le t-shirt officiel. Et oui, ce qu'ils expliquent. Nabs, il a mis 42 buts dans le tournoi. C'est... De toute façon, on les a en replay. On les a en replay. Je les mets maintenant. Vas-y, maintenant. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On vient de regarder tous tes buts là pendant le tournoi. Gros, t'aurais pu doser quand même. Ouais, j'ai envoyé. On va voir un match. Donc là, PL, petit achat. Ça part sur le maillot training que j'aime beaucoup. Ce qui m'a convaincu, c'est l'étiquette intérieure. Ce qui m'a convaincu, c'est le blason. Tu sais, j'ai envie de faire quoi là-dessus? C'est un, on dirait un tatami, j'ai envie de faire du judo. Ah oui, ok. Donc là t'es à ça en fait, je crois que t'as un problème pour acheter les maillots. Comment ça? T'as des excuses trop faciles. T'as la gâchette en fait, facile. Eh, je suis comme vous tous les gars, moi il me suffit d'un petit argument et voilà, me voulez arriver à la caisse. Le flocage est offert. Des maillots à flocage. Et on passe à 59 euros donc... C'est vrai que... Non, l'affaire est exceptionnelle. De DNA Atom et tout. Mais dites pas que Pell il va craquer sur un maillot des 7 Queens quand même. Bah non. Le nôtre il est là. Moi je suis fidèle à mes valeurs, à mon club. Un seul club. Le club des 7. Le club des 7 défaites. Viens là s'il te plaît, j'ai une casquette pour toi. Je l'essaye. Ah ouais. Allez les dés. Oh non. Oh, tu me fais penser à quelqu'un mais je vais pas le dire. Attends, j'ai pris une jaune de Saint-Etienne, moins 30%. Ouais. Bon, une annonce de fou qui va te ravir. Un Néerlandais. Quoi? C'est quoi un Néerlandais? Marseille. Hein? Il y a un Néerlandais qui signe à Marseille? Non, c'est pas vrai. Bonjour, moi. Non, t'es un menteur. Ah, t'es un menteur. Non, Nick, t'as vu, fais voir. T'es un menteur, c'est pas vrai. Mais oui, t'es un menteur, c'est pas vrai. Le sac de taille. Mais oui, c'est quoi ça? C'est fou de foot. T'es foot. Tournoi fini, là on vient de rentrer, il pleut de malade, mais il pleut de ouf. On a été visiter le centre de formation et le centre d'entraînement des pros, et on a vu qu'il y avait un terrain couvert,
un petit synthétique parfait, il n'y a pas mieux, avec couvert du coup, donc on est à l'abri de la pluie. On va aller faire des petites frappes, et puis voilà, parce que Naps, il a encore du jus, il va pas nous mentir. Il a pas assez couru, il a pas assez joué, donc on va aller faire ça. Donc je vous emmène avec moi, allez c'est parti. Petit terrain Naps, est derrière toi, il est comment là? Lequel? Le terrain sur lequel on va jouer. Il va être dingue, mais moi je suis plus herbe. Ouh. Et toi tu casses les couilles toi. Quoi? T'es pas herbe, t'es pas synthé, t'es pas... Je fais rien du tout, moi je suis pas un joueur de foot. Toi t'es un boxeur toi. Un boxeur. On va aller jouer là les gars. C'est pas le paradis sur terre là? C'est trop bien. Terrain couvert, synthétique, TMA le synthé. C'est quoi ça donne envie de jouer pendant des heures et des heures et des heures? Naps, un avis là, rapide. J'envoie un tweet. T'es le mec qui travaille. Non, en vrai, propre hein. Mais moi je suis plus herbe. Et il casse les couilles avec ses nerfs. Petite session de football. Ouais, allez, chauffe-moi ça là. Et les gars, je vous le dis, hein, je sais pourquoi Naps il a été nul. Et là, il m'a passé ses crampons là, ses chaussures. Comment elles sont gaises. C'est une dinguerie. Là, je remets bien la cam. On est marre les gars. On est fatigué déjà. Je suis cuit. On est enrouillé. C'est une dinguerie. Bon les mecs, le petit foot là, c'est fini. On rentre dans la chambre et puis on va se préparer pour ce soir, on va regarder le match. Donc à tout à l'heure. Donc là c'est le backstage d'un shooting Twitter, c'est ça? Et ouais, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Yeah. Alors je pense que devant les fenêtres c'est un peu con. Ouais. Avance un peu, genre sois pas en mode... En mode quoi? Ouais parfait. Et là tu poses lentement. Le petit frérot Thomas là qui est là. Fais des moves, tu changes genre, tu regardes à gauche avec toi. Et bon, t'es dans la boîte. Quel photographe de merde. Bah attends, regarde ça. Regarde. Eh, tout le monde va vouloir se l'arracher ce maillot d'Arsenal. Attends. J'avoue qu'elle est pas idiote la photo. J'ai envie de m'arracher ton bon bruit. Hop. Merci. Oh. Mais oui. Là, c'était pour l'Angleterre. Mais oui, c'est mérité. Meilleure équipe de l'Europe. J'ai trop le seum. J'étais pour la Suisse. On est dans un petit... Dans un petit bar. Là. Un petit bar. Un petit bar. On regarde le match. On a monté des réels parce qu'il m'a mis la pression PL. Je monte vite. Du coup, j'ai pas réussi. T'as pas pris un petit pont tout à l'heure. Tu m'as mis une virgule. Il m'a mis une virgule PL. Mais il est tellement aléatoire dans ses gestes que moi j'ai mangé un petit peu. Sans sucre. Sur la table. Ah, je peux pas arrêter comme allez. Ça. Je vais y aller, je crois. Enzo? Ouais. T'en penses quoi de cette ouverture du score là? Je suis trop content. 0% de sang turc. Moi j'ai dit avant le match, je suis pour la Turquie, il est pour les Pays-Bas. 1-0 pour la Turquie. Bien joué Enzo. T'as choisi le bon camp. Eh oui. Regardez comment il est trop dégueu. Dans cette rencontre. World Mirror. World Mirror. Mais pourquoi tu te fais un euro comme ça? Arthur Koglou, Arthur Koglou. Et alors je arrête.
Donc après petite soirée au bar exceptionnelle. Alors vous verrez, enfin comme vous avez pu voir nous, c'était très sobre, hein, c'est plus la table d'à côté. Ouais, c'était exceptionnel. Ils nous ont provoqué. Enfin de toute façon vous avez tout vu. Et là bah fin de voyage, j'ai envie de dire. Là on a préparé les promos pour demain parce que on a des belles promos. Les gars sont en train de monter les reels, enfin les vidéos TikTok tout ça de cette petite journée. Donc là je vais aller mettre un maillot de Saint-Etienne pour dormir avec, pour faire de beaux rêves stéphanois. Et on va quand même aller faire un petit pour combien tu suces, tiens. Je vais aller voir les gars. C'est belle. Coup d'âme qui dérape. Pour combien tu suces, tiens Henri? Bah je sais pas mais j'ai trop envie quoi. Il fait pas de feu. Ah bah pour zéro. Assieds-toi dans le fauteuil du sucre, combien tu suces? C'est lequel? Je pense qu'on se fait bien sucer dans celui-là. Le fauteuil pour sucer. Pour combien tu suces Rémi Vercoutre? Il a été formé à Lyon, Après je sais qu'il a fini sa carrière à Caen. Pour moi il a fait que deux clubs. Bah ouais, franchement je suis. Lyon-Caen. Ouais. Caen-Lyon-Caen ou Lyon-Caen? Ouais, Non les gars, faux. Montpellier aussi, non? Ouais. Eh, c'était du total hasard, je le reconnais. Il a fait Montpellier. Mais j'aime bien avoir du bon. Lyon. Après il a fait un autre club après. Après quoi? Ah, il a été prêté. De Lyon, il a été prêté en 2004. Oh oui, j'allais dire je vais m'en souvenir, mais pas du tout. En 2004. Un bon club. Un club qui a connu après une descente aux enfers. Sedan. Sochaux. Mais t'es pas loin. T'es pas loin dans la Boulogne. Dans la géographie. Bah. Qui a connu une descente aux enfers et qui est revenu. Bah Strasbourg. Ah qui est revenu Strasbourg. Ah bah merde, hein, merci. Ah bah là, quand on dit toutes les infos. c'est sûr que ça va mieux. Coaché par Patrick Vieira. Et après, retour à Lyon. Quand? Et après quand? Bon, on va clôturer le pour combien tu suces avec Dimitri Payet. Le Havre. Nantes. Il en a fait un avant. Allez, c'est Excelsior. Ouais, j'aurais pas trouvé. Vous avez pas... C'est bon, je peux aller. Ouais. Nantes, Saint-Etienne. Non, c'est faux en plus. Ouais. Arrête toi. Mais pourquoi tu réponds? Lille. Mais je... Mais je vraiment. Sais ce que je fais. Mais de quoi? Ouais. Eh bah arrête de m'embêter, oh. Arrête. T'as un bon milieu de deux. Donc Nantes, Saint-Etienne, Lille. Marseille. Et Hudson, ça date, hein. West Ham. Ouais. Marseille. Ouais. Téléphone à clapet, tu te rappelles? Tu faisais ça? Botafogo. Oh non! Botafogo. Vasco de Gama. Nubs, pour combien tu suces Francesco Totti? 10 balles. En vrai? Totti, bah. Qu'est-ce qu'il a fait? Wow. Il a fait l'AS Roma. Ouais. Ensuite? L'Italie. Il joue en Italie. Et. Il a dit qu'il avait trompé toutes ses femmes sauf la Roma. Ouais, en plus c'est vrai. Ça c'est le genre de presse. Et Nabs, pour combien tu suces Daniele De Rossi? Je connais pas trop les écuries en moto. J'aime bien que tu dis ça, Nabs, ça se voit que t'es un ancien. Ouais. Mais il a vraiment une belle carrière, parce que je crois qu'il a gagné beaucoup de trophées. C'est le meilleur dans sa discipline. Il a aucune connaissance, rien. Il a dit De Rossi, il a juste fait de la moto, c'est tout ce qu'il a dit. Il sait même pas l'écurie. J'ai dit, il a c'est quoi son trophée et ouais, c'est la des meilleures disciplines. C'est quoi son numéro? C'est déjà beaucoup. Son numéro? Ouais. Je sais pas, frère. Voilà. C'est bon ou pas? Et c'est quoi son numéro? 46. The Doctor. C'est 46 ans? Il a un casque, c'est écrit The Doctor, un peu avec plein de couleurs. C'est vrai, bah, il a déjà plus de connaissances que Pelé et Julien Rémy. Oui, ça c'est vrai. Mais je sais aussi à l'Ajax Amsterdam. Non mais on est sur la biographie. On est sur point de mobilette ou point de pénalité? Point de mobilette. J'ai fait une première lecture si tu peux vérifier les sous-titres. Ouais, je vais qu'est-ce que tu penses? Tu pourras reprocher à Guillaume. Des nouveaux médecins. Ça pourrait tu poses pas la question à moi. Franchement son manque de travail. Son manque d'investissement tout le temps. Premier parti. Ouais. Non en vrai ce que je le reproche à Guillaume, c'est énervé au five. Et être nul en plus. J'ai fait un fail avec Guillaume, il a joué 20 minutes. Et c'était le meilleur joueur du monde. Tu poses quoi une question? Mais tu vois pas qui répond. Je commence? Vas-y. En fait, Guillaume. Oh, en plus, c'est vraiment sincère. Ah, c'est pour rigoler. Et dès que tu vas te dire un truc, bah, tu vois, il va se vexer. Tu peux rien lui dire à Guillaume. C'est criant de vérité. Ouais. J'étais méchant, mais Guillaume fait un travail de l'ombre exceptionnel. Je tenais à le dire. Non, sans force. Je suis pas là pour te demander ça. Tu veux finir du coup? Vraiment, il manipule l'appareil comme un iPhone, ça me tue, ça me trouve. Je sais pas ce que tu capes, mais... Tu verses sur légendaire. T'es pas du tout dedans. T'es enculé. Salut copain, bah c'est pour dire que je suis fatigué. On arrête la caméra, et puis on se retrouve plus tard. Pardon. Bon en tout cas les gars, c'est terminé.
Enfin, quasiment. Là, on s'en va prendre dans le train. On s'en va prendre dans le train. On s'en va prendre dans le train. Donc voilà. Et on a dormi là où il y a la vidéo de Saliba. Pour ce qu'on l'a. Oh non! Retour en Normandie. On rend les clés. On rend les clés. On vous fait gagner les clés d'une chambre du centre de formation de Saint-Etienne en commentaire. Mettez clé Saliba et puis on sélectionnera un gagnant. Allez. Bon, c'est quoi le programme après là? On va faire quoi nous? Train. Qu'est-ce qui arrive? Non, non, mais qu'est-ce qui arrive sur la chaîne? Sur la chaîne YouTube? Ben, en toute logique. Rien. Non, je crois bien que quand sortira ce vlog, les amis, ce sera la petite trêve d'été. On peut dire ça comme ça. Ouais, ça me va. Et on reviendra en août avec. Inch'Allah. Si on a encore envie, on reviendra en août. Franchement, on va pas au ventre du rêve, les gars. Et puis. Manav, on disait qu'on arrêtait un peu. On va faire une petite pause pendant les vacances. Ouais, à Marbella, ça va nous faire du bien. Bon, en tout cas, on se retrouve très vite. Bientôt. Déjà sur Twitter, Instagram, tout ça, on sera actif. Sur YouTube, on revient en août avec une vidéo exceptionnelle. J'en dis pas plus. Okay. Et un invité de marque. Ah. De très grandes marques. Bon, allez, mec. D'ici là, on le dit jamais, mais abonnez-vous. Et allez les verts. Je pense que si on le dit à ce moment là de la vidéo, on a zéro abonnement. Allez les verts, c'est ça. Dis-leur de s'abonner. Abonnez-vous pour plus de contenu.